Bon, j'étais à court de condo de la bonne valeur là pour changer cette merde à bain d'huile là, qui a coulé partout bien sûr dans la lime de cet ordinateur New Brain. Donc Vincent m'a donné les références qu'il fallait mettre. En fait, je savais pas, j'avais pas fait gaffe, mais j'avais le schéma directement ici de la disposition XY. Mais de toute façon, c'est du classique. Donc voilà, j'ai procédé au changement de ce composant à la con, qui a évidemment coulé partout, mais ça avait été nettoyé déjà en prérequis. Alors j'ai juste utilisé une petite platine dessous là pour avoir des pontées faciles et pas me faire chier à souder, à faire des gros pâtés, etc. Comme c'est quand même beaucoup plus petit ces condos là que cette vieille merde, ça va loger sans aucun problème dans la boîte. Donc il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Ça fera l'objet d'une deuxième vidéo parce que bon. Enfin, je crois même que je la ferai pas. Je crois que je vais plutôt faire une vidéo du test de la machine à la fin. À plus! Voilà, donc ça, c'est la suite de la réparation de notre petit New Brain ici. Donc le bloc d'alimentation sur le côté là qu'on vient de réparer. C'était tout simplement les condensateurs XY. Donc merci Vincent de me les avoir fournis. Parce que j'avais pas les bons modèles en stock, bien évidemment. Et celui-ci fonctionne, donc on va tester le deuxième et rajouter ça à la suite de la vidéo. Alors, est-ce que le second fonctionne aussi? Oula, 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 oula. J'ai des gros doigts, moi. Ok, super. New line, parfait, parfait. Alors, est-ce que ça marche? Totalement. Je vais mettre des petites virgules. Tous les caractères ont l'air de fonctionner. Les pseudographes ont l'air de marcher aussi, c'est fantastique. Donc on a deux petits New Brain en état de marche. Magnifique.